était interminable. Moi, que l'on peut dire, c'est que j'étais productif. J'ai envie de me défouler avant d'aller me pioter. Aïe! Je me fais du mal avec le micro. Moi aussi, ça va pas être possible toute la semaine. Ah, compagnie en armure lourde, la verra se dégrader 50% plus lentement. Ah, mais je suis dans la vie, c'est pas clair.
Écurie de l'amoureux des chevaux. Rigolo ça. Oh, attention! Ça fait de... J'ai déjà affronté des crabes de vase. C'était censé m'impressionner. Nous sommes toujours de service. Oui, mais vous m'avez fait peur. Prophète. Comment ça, prophète? Des rumeurs? Ah. Bon. Vous aussi.
c'est que juste à côté, à pas 50 mètres, il y a forcément la vie. Oula, il y a des persos là, parce que ça rame. Oh, le cadre me plaît, c'est beau ici. Oh, si l'architecture de la ville est partout comme ça, on va venir. Wouh, m'a fait peur. J'ai failli l'agresser. Comment allez-vous? Je vous salue. Thoron, compagnon de la guilde des mages. Rumeur. Ah, lui aussi il parle sans l'homme qui parlait sans son, sans voix. Tout le monde parle du prophète. Après le tag de la chapelle, les gens quoi? Les gens sont prêts à croire n'importe quoi. Oui, alors justement le prophète. Je ne sais pas d'où il vient. Il est apparu devant la chapelle un jour ou deux après les attaques et n'en est pas reparti. Ah. Et l'attaque de la chapelle donc? Un crime horrible. Tous ceux qui se trouvaient dans la chapelle. Assassiné. Qui a pu faire une chose pareille? Et pourquoi? Oh, je sais pas. Je vais mener l'enquête. Alors, présente-moi la ville, mon grand. Je sais que certains pensent qu'il ne se passe jamais rien à Anneville par rapport au reste de la région est de Cyrodiil. Mais nous avons nos propres problèmes dans le nord. Ok. Karahil a soutenu la nomination de l'archimage Traven, dès le début. Et je ne crois pas aux rumeurs selon lesquelles elle voulait simplement son poste au siège. Au revoir. Là, ça fait trop de temps. Je peux me permettre de m'installer? Bonjour. Bonjour, pardon, je présente mal, en plus je suis en armure. Je reviens de la guerre. Mais c'était pas ma guerre. Bonjour, associé. Pour obtenir une recommandation de moi, il vous suffit simplement de prouver que vous êtes en bonne forme physique et prêt à apprendre quelque chose par la même occasion. Alors, je suis heureux d'incarner une femme parce que j'aurais été le sexe opposé, que j'aurais pu mal interpréter son propos. Manière déguisée de faire des avances, très directe. Ah, mais je me suis trompé, c'est pas la guide des mages, c'est un club échangiste. Oh non. Oh non. Bon, bref. Des rumeurs. La guilde des mages s'est fait pas mal d'ennemis depuis que la nécromancie a été bannie. Recommandation. Contrairement à certaines tâches frivoles confiées par d'autres salles de guildes, il s'agit là d'un problème grave qui aura des conséquences. Êtes-vous prêt? Ah oui, bien sûr. Permettez-moi alors de vous expliquer la tâche. Le conseil des mages m'a chargé de résoudre une situation le long de la route d'or. Ah bah, je l'ai traversée. Plusieurs marchands ont récemment trouvé la mort le long de la route d'or et d'autres encore sont portés disparus. Ah ouais. Le conseil m'a demandé d'y mettre un terme. Vous allez m'aider à le faire. Mais ce serait en lien avec la porte de l'Obligeon ou... Oui, c'est la dangerosité, c'est évalué. En effet, c'est peut-être le cas. Je ne vois aucune raison pour vous tenir à l'écart de situations auxquelles la guilde fait face quotidiennement. Il s'agit là du travail important, du travail qui compte. Je n'ai pas de temps à perdre avec des recrues de la guilde inutiles sur le terrain. C'est un excellent moyen de faire vos preuves. Nous pensons que ces meurtres sont l'effet d'un mage roublard. Les mages de guerre ont été envoyés à l'auberge de la Croix de Brina, le seul lien entre les victimes. Vous allez voyager vers le nord, jusqu'à l'auberge de la Croix Brina, et contacter Ariel Jurard. Elle vous donnera d'autres instructions. D'accord. Ah ouais, c'est intéressant ça. Le mage roublard, on sait qui c'est donc? Certains mages ne respectent pas les principes de la guilde et opèrent en dehors de ses limites. Bon nombre d'entre eux ont peu de respect pour la vie d'autrui. Le fait que ces victimes avaient par endroits des traces de brûlures dues au froid indique qu'un mage est responsable de leur mort, probablement rien de plus qu'un simple vol. Ces rouleaux devraient vous protéger suffisamment de la magie par le froid si vous rencontrez ce mage roublard. Utilisez-les judicieusement. D'accord. En fait, il incarne ce que j'aimerais être. Par
que j'appelle un cri hommage. Donc un expert de la basse température. L'auberge de la Croix Brina, c'est pas l'auberge dans laquelle j'ai failli dormir ce soir. L'auberge est située au nord d'Anneville. Allez voir Ariel Jurard à votre arrivée. Elle vous donnera d'autres instructions. Continuez à être vigilant. Nous ignorons si le personnel de l'auberge est impliqué d'une manière quelconque. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, ben je vais me faire... Ok. L'université des Arcanes, quelque chose à dire? L'archimage Traven a fermé les portes de l'université à tous ceux qui ne sont pas qualifiés pour y entrer. Une sage décision, je pense. C'est dans la cité impériale. Vous pourrez peut-être lui rendre visite un de ces jours. Il a fait beaucoup de bonnes choses pour cette guilde. Donc le mage Roublard, on sait qui c'est. Les rouleaux que je vous ai donnés devraient vous protéger de la magie à laquelle ce mage semble avoir le plus souvent recours. Mais restez vigilant. Il peut vous réserver d'autres surprises. C'est triste de penser qu'un mage puisse tuer des marchands sans défense pour s'emparer de leurs marchandises. Ouais, c'est un ripou en fait. À bientôt. Oui, à bientôt. Marc Gullit, invocateur de la Guilde des Mages, instructeur avancé dans les arts de la destruction. Oh là, bonjour. De la destruction, mais comment va Nagatour? Non, j'ai n'importe quoi. C'est. Merci. La nécromancie a été bannie à la Guilde des Mages, et celle-ci refuse tout contact avec les personnes qui la pratiquent ouvertement. Mais ils ont que ce mot à la bouche, Guilde des Mages. Tout ce qui est en lien avec la nécromancie. Bon, la ville. Karaïl a hérité le chapitre d'Anneville de la Guilde des Mages d'Hannibal Traven, l'archimage. La salle est propre, tout comme l'était celle de Traven. Prenez soin de vous. Oui, toi-même, ma grande... ma grande... Mon grand... attends, je ne sais plus. Il y a l'un d'un truc que j'ai pas parlé, je crois. Il y a rien, Falen. Oh, la coupe. Sale voleur à la tire! Qu'est-ce que vous avez... Je suis Falen Relas, de la Guilde des Mages. Je m'occupe de la formation en alchimie pour le chapitre d'Anneville. D'accord. Ah, Ludinroot, ça te parle? Bonne chance pour votre travail sur le terrain pour Sindarion. Ok, merci. Des rumeurs? Ah, encore le coup du profit. Du prophète. Bon, en ville, la ville. Si vous recherchez des ingrédients rares, essayez l'aile, marchandise de qualité. À l'extérieur de la ville, face au port. Ok. Prenez soin de vous. Merci. Bonsoir. Bon. Qu'est-ce qui se passe ? Quoi ? Quoi ? J'ai volé quelque chose à Guilde des Mages, il y a forte chance que je sois suspendu. Mais non ! Mais c'est quoi ce délire? C'est juste parce que je l'ai approché accroupi et c'était une posture de voleur, mais j'ai pas fait exprès. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça lit toutes les guildes des mages, dis donc.
fait, c'est con ce qui m'arrive. Ça va pas, parce qu'il faut, il faut que je recharge. C'est vraiment un accident, j'ai pas fait exprès. Attends, je peux recharger d'où? Bah oui. Parce que j'aurais jamais dû me faire expédier dans la maison. Quelle est la raison de votre présence? L'attaque de la chavette dans l'île. Quand nous sommes arrivés, il était trop tard. Nous n'avons aucune idée de la façon dont ils sont entrés et sortis sans se faire voir par nos patrouilles. Et le dit prophète, alors c'est quoi? Bien sûr, allez à la chapelle, vous ne pouvez pas le manquer. Il sera à l'extérieur à crier ses divagations aux passants. Soupir.
Adieu. Ah, je suis les pots, je dépeuse les animaux. S'il vous plaît, monsieur. Je vous salue. Bonjour. Pas le temps de parler. Il faut que je livre ces exemplaires du courrier du cheval noir. Tenez, en voici un exemplaire. Les rituels de la mer de la nuit sont de plus en plus nombreux. Merci pour l'info, messager. Enfin, en Oblivion, non, je devrais pas dire ça. En Tamriel. Ah oui, le gars de magie. Non, bah non, je vais pas gâcher le... mais non, c'est un peu de quoi. Ça va pas, vous... Vous avez le feu, vous ? Mes enfants meurent de faim, je vous en prie. Une pièce de plus, et je pourrai acheter des souliers. Merci, chère madame. Tu sais peut-être quelque chose sur les attaques de la chapelle d'Anville ? C'est incroyable. Au beau milieu de la ville, et personne n'a rien vu. Si vous voulez mon avis, on peut avoir des doutes sur l'efficacité de la garde. À moins que la garde soit complice. Mais ce serait extrêmement grave. Des rumeurs ? Ah oui, non, 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 oui, non. Arquet vous bénisse. Alors c'est une chambre commune, alors qu'est-ce qu'il y a de là, ça ? T'as le grenier aménagé, c'est stylé, quoi. Respect. Ah oui, dodo. D'ailleurs, je vais pas tarder à faire dodo en vrai aussi. Donc, il est 10h du soir. Oh, je mérite un gros dodo. Allez, dodo 9h. Thank you.
Bienvenue. Ne soyez pas timide. Marc Gullit, invocateur de la Guilde des Mages. Instructeur avancé dans les arts de la destruction. Il a du charisme. J'avoue, ce monsieur a du charisme. Les choses sont différentes à la Guilde depuis que Traven a été nommé archimage. Elle est plus structurée. Mais tout le monde a l'air nerveux. Amanier ! La ville. Karaïl a hérité le chapitre d'Anvil de la Guilde des Mages d'Hannibal Traven, l'archimage. La salle est propre, tout comme l'était celle de Traven. Au revoir. Comment allez-vous ? Je peux rien répondre à ça. Ah oui. Ah merde, ah c'est drôle là. Bonjour associé. Pour obtenir une recommandation de moi, il vous suffit simplement de prouver que vous êtes en bonne forme physique et prêt à apprendre quelque chose par la même occasion. Oh là là, mais c'est quoi ce bug ? Non mais je vais attendre que tu te... À bientôt. Ouais, oh là là. Je peux pas déclencher le dialogue si elle est encastrée là, je peux pas. Mais au secours. Elle est où la sortie ? Oh là là, puis de voir son ombre danser dans le mur, c'est... Ah, magie noire. J'ai une charpière, boum. Ah non. Quelqu'un qui a en fait un passe en logis, c'est tout. Quelques travaux. C'est occupé. Oui, c'est quelqu'un qui entretient pas son logement. Quoi ? Guilde voleur mystérieux, dangereux. Il y a moyen de rénover cette maison.
ce que ça disait. Ah bah voilà, c'est... Varel Morvain. Ça fait 30 ans que je fabrique des armes ici à Anvil. Les gens disent que je fais du bon travail, et je ne veux pas me disputer avec eux. Oui, une drôle de présentation, mais oui, mais réparez, s'il vous plaît. Je peux tout remettre à neuf, ce n'est qu'une question de prix. Ah, je demande que ça. Merci. Du matos à vendre ? Il n'y a que des articles de qualité ici, que puis-je vous offrir ? Oui. Waouh, la Clément en argent. Punaise, elle est à deux mains, mais alors qu'est-ce qu'elle fait mal ? Et qu'est-ce qu'elle est lourde ! Ouah, 38 pour porter la clé mort. Mais 7 de dégâts, ça bourrit de méchant. Ah, l'épée longue en bon fer. Ah ouais, elle est pas trop lourde, elle fait 5 de dégâts. Elle m'intéresserait, l'épée là. Oh là 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 là, la hache de guerre en argent. La matraque d'obéissance. Oh mon dieu. Regain de santé. Et réduction de fatigue. Oh là là. Il y a de ces trucs. Oh. Alors attends. La cuirasse en acier lui a fait 5 de protection. Mais c'est ce que je porte pour la non. Ah, elle pèse 20, mon épée longue. Mais elle fait 4 de dégâts. Mais elle pèse 20. Oui, ça, je lui vends. C'est plus que ce que... Vous avez fait une excellente affaire. Oui, je sais. L'épée, ouais, elle m'intéresse. La épée longue en bon fer. C'est une bonne affaire. Ah, je te crois, ouais. Ah oui, elle est plus légère, elle fait plus de dégâts, y a pas photo. Donc je te vends celle-là, ouais. Ah, là, je suis en train de cumuler les armes, là, faut que je me calme. Je suis en train de cumuler les armes, oh là là, la fatigue. Dégâts de foudre ou dégâts de feu. Bah elle a l'air bien méchante, alors que la braise, ouais, j'ai déjà épuisé, et en plus elle fait pas tant de dégâts que ça. Remarque, non, je suis con, parce que l'épée longue de scout, elle est vachement lourde. Ouais. Ah, je l'aurais vendu si elle avait été déchargée. Mais à l'idée de pouvoir l'utiliser et foudroyer en même temps. Oh, non, tant pis. Non, sans déconner, elle est trop lourde. Faut que je la vende. Ouais, je la vends, elle est trop lourde. Oui, ça fait trop de flèches. Je vends des flèches, voilà, la moitié, ouais, vas-y. Qu'est-ce que je peux lui vendre? Casque à fourrure, oui. C'est plus que ce que je paie d'habitude. C'est un plaisir de pouvoir vous servir. Oui. Vous aussi. Oui. Oui, je suis plus léger là. Qu'est-ce qu'il y a encore? Vous croyez que si j'ai eu lieu à la page, je pourrais se reproduire ici? Non.
Qui prendra le parti des huit et de l'unique? Qui achèvera la sainte mission de vengeance de Pélinal contre Oumaril le dépouillé? Tiens, encore quelqu'un qui vient écouter les élucubrations d'un fou. Ce n'est que le début. Oumaril est revenu, comme Pélinal Blanc Serpent l'avait prédit dans son dernier souffle. Oumaril le dépouillé, le roi sorcier des Aïléides qui régna sur ce pays bien avant l'avènement des hommes. Il fut vaincu par Pélinal Blanc Serpent, mais son esprit survécut. À présent, il est revenu pour exercer sa vengeance sur les dieux. Personne ne se souvient des anciens récits? Saint Pélinal, le divin croisé légendaire, compagnon d'Alessia quand elle anéantit le pouvoir des Aïléides il y a 3000 ans. Avec l'aide des dieux, Pélinal combattit Oumaril, le roi sorcier des Aïléides, et le tua. Mais l'esprit d'Oumaril survécut, et il est de retour. Alors, qui a attaqué la chapelle? Vous ne comprenez donc rien? Le sang parle. Je sais lire les runes, si vous en êtes incapable. Asoyobala Oumaril, El Nadara Kuvar. En langue aïléide, par la puissance éternelle d'Oumaril, les dieux mortels seront jetés à bas. C'est une malédiction sur les ennemis d'Oumaril. Une menace aussi. Donc, comment on arrête Oumaril ? Hélas, Oumaril ne peut pas être stoppé. Pas sans l'aide des dieux. Et les reliques du croisé. Sans personne qui agisse en leur nom, les dieux sont impuissants. Mais qui donc parmi nous sera digne de porter les armes du divin croisé? Je veux bien chercher les reliques, moi. Vous désirez partir en quête des reliques de Pélinal Blanc Serpent? Celles-là même qui ont été convoitées par les guerriers les plus valeureux du passé? Êtes-vous méritant, chevalier? Je me moque de la gloire. Un cœur humble est un bon point de départ. Les dieux décideront si vous méritez de partir à la recherche des reliques. Mais alors, comment je peux faire pour trouver les reliques? J'ai le droit d'aller les chercher ou pas? Les dieux accordent la perspicacité à ceux qu'ils en jugent dignes. Nul ne peut prédire le pourquoi et le comment de leurs décisions. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les chevaliers qui désirent partir à la quête des reliques emprunte la voie du pèlerin. Okay. Allez aux pierres sanctuaires des neuf divins. Oui. Priez les dieux tour à tour et demandez-leur de favoriser votre quête. Ah. Si les dieux vous en jugent digne, vous recevrez un signe. Allez de l'avant avec la bénédiction des neuf. Ok. Je comprends les aides mieux. Enfin, mieux. J'ai une piste à suivre, merci. Les huit et les neuf. Il y avait autrefois les huit divins. Puis Tiber Septime est devenu Talos, et les huit sont devenus neuf. Je suis l'ancienne voix, honorant les huit, tout en louant aussi Talos, celui qui s'est élevé. Parcourir la voie du pèlerin est le point de départ consacré de toute quête. Suivez la carte que je vous ai donnée. Visitez les pierres sanctuaires des neuf. Priez et attendez un signe. Les armes et l'armure de Pélinal Blanc Serpent, le compagnon d'Alessia. Elles lui ont été données par les huit divins. Il se rendit tout seul dans la tour d'or blanc. Là, il défia en combat singulier Oumaril, le roi sorcier Aïléide, et il le tua. Hélas, Oumaril ne mourut pas vraiment. Il fut simplement rejeté au-delà des frontières de Nirne. Et aujourd'hui, il est revenu pour exercer sa vengeance sur les dieux, comme Pélinal lui-même l'avait prophétisé dans son ultime souffle. Seul un vrai chevalier, en possession des saintes reliques du divin croisé, peut avoir une chance de vaincre Oumaril. Malheureusement pour Tamriel, les reliques du croisé sont perdues depuis de nombreux siècles. Qui pourra réussir la quête des reliques, quand les plus grands chevaliers du passé ont échoué? Il a été vaincu par Pélinal le croisé, mais pas détruit.
et il est aujourd'hui de retour pour se venger des dieux. Seul un chevalier portant les saintes reliques du divin croisé a une chance de vaincre Oumaril. Possibilité de le détruire à des années ou de recommencer un cycle sur je sais pas combien de siècles ou millénaires. Enfin, ça soulève des questions. Puisse les huit et l'unique guider vos pas. Je devais avant tout faire un pèlerinage au pire sanctuaire divin. M'a remis la carte de la voie du Perlin afin de m'aider à localiser les sanctuaires. Après avoir visité une pierre sanctuaire de chacun des neuf divins, je pourrais recevoir une vision, si l'on me juge digne en tant que chevalier. Laisse-moi deviner, s'est éclaté sur tout le royaume, qui est juste immense d'ailleurs au passage. Qui voudra bien aider un pauvre mendiant? Mais sa voix porte jusqu'à ici. Bon, je crois que je vais m'arrêter là.